When I started this about 5 years ago, quand j'ai commencé ceci, I went to Torben. Quand j'ai commencé ceci, il y a 5 ans, je me suis adressé à Torben. Basically, it was only me and Torben. Il y avait que lui et Torben. On a commencé ça il y a 5 ans. And people call us crazy. Et les gens nous ont dit, vous êtes dingues, fous. But I followed the Torben's example to continue. Mais moi, j'ai tout simplement suivi l'exemple de Torben. And he told me, if you continue, you're going to bear good fruit. Il m'a dit, si tu continues, tu vas voir la vérité. So I've been stubborn, really. Et donc, moi, j'étais très têtu. Because like Samir said also, it's hard. Parce que, comme Samir vous a raconté aussi, c'est dur. But today, it's so good because there are so many that are doing it. Mais aujourd'hui, c'est facile parce qu'il y a tellement de monde qui s'implique. And I can promise you, many times I doubted if I was in the right way. Et je vais vous dire, quelquefois j'ai eu des doutes. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est juste ce que je fais? Because so many people questioned what we did. Parce qu'il y avait tellement de personnes qui mettaient en question tout ce qu'on faisait. Especially the Christians. Et en particulier les chrétiens. So it was really hard, you know. People, donc c'était vraiment dur. The people hated us. Parce qu'il y avait même des personnes qui nous détestaient. But I saw the good fruits. Mais j'ai vu les fruits. That people got saved and baptized. Donc, and the parce demons que les gens étaient sauvés, baptisés, délivrés des démons et guéris. So how could I stop? Donc je pouvais pas m'arrêter. So it will continue. I'm sure that. On va continuer, c'est sûr. I love to see this simplicity also. Everybody that went up and testified. Oui, donc j'ai remarqué aussi cette simplicité parmi tous ceux qui ont témoigné ici. It's like a DNA of being natural. C'est comme une ADN qui est complètement naturelle. We don't need to hype up stuff, you know. On n'a pas besoin d'être de se forcer à faire des choses. We don't need to help God. On n'a pas besoin d'aider Dieu. With flashlights. Avec des flashs, avec des big orchestra. Big music and avec de la musique, un festival, des trucs comme ça. And this preaching style. Et avec un style de prédication comme ça. Of course, this is okay to be excited. But bien sûr, c'est bien d'être, de s'amuser, d'être excité un peu. But this is just a part of life. Mais ça fait partie de notre vie. So, in the same way we do it in the street, you can share it here. We don't need to hype up stuff. Donc de la même manière qu'on le fait dans les rues, on peut le faire ici. On n'a pas besoin de s'efforcer. So I can promise you one thing. Donc je peux vous garantir une chose. Not everybody will love you when you do this. C'est pas tout le monde qui vous aimera quand vous faites ceci. Especially in traditional churches. En particulier dans les églises traditionnelles. Because they are like in a system. Ils sont comme dans un système. Where this model doesn't fit in. D'où le modèle ne rentre pas. And the model I'm speaking about. Et le modèle dont je parle. Is the Bible. C'est la Bible. I'm sorry to say it. Donc ça c'est vrai. But what the Bible instructs us to do. Mais ce que la Bible nous enseigne, nous instruit de faire. We normal disciples, Christians. D'être des disciples, des chrétiens normaux. We're not allowed to do it. On n'a pas le droit de le faire. It's only the priest or the pastor. C'est uniquement les prêtres, les pasteurs qui ont le droit de le faire. Or the clerks, you know. Ou le clergé, ou the hired staff, and so ou ceux qui sont à la tête de l'église, les responsables. I'm not saying that this is the case everywhere. Donc je ne dis pas que c'est partout pareil. I have many pastor friends. Parce que j'ai beaucoup d'amis de pasteurs. All around the world. Partout au niveau international. That we have met, we have baptized them. Que nous avons rencontrés, que nous avons baptisés. But they are ready to change. Mais eux, ils sont prêts à changer. Because they can see that this is a disciple-making movement. Ils réalisent qu'il s'agit d'un mouvement de faiseur de disciples. So the last Reformation is not the organization. Donc the last Reformation, TLR, n'est pas une organisation. It's a movement. C'est un mouvement. Move of God. Un mouvement de Dieu. To bring us back. Afin de nous ramener. To the foundation of the Bible. À la fondation de la Bible. So we will speak about that and also about church now. Donc on va parler un peu plus sur l'église maintenant. So we need to start with one thing. Donc il faut commencer avec une chose. We need to be balanced. On a besoin d'être équilibré. And many people, they have a lot of head knowledge. Beaucoup de gens se bourrent le crâne, ont beaucoup de connaissances. So they know about scripture, they know about this kind of stuff. Ils connaissent toutes ces choses intellectuellement parlant. But they don't have the heart for the lost one. Mais ils n'ont pas de cœur pour les perdus. And their hands et leurs mains and their feet et leurs pieds are not moving for the Lord. Ne se bougent pas pour le Seigneur. They are not workers in the kingdom. Ils sont pas des ouvriers dans la moisson, dans le royaume. And then we have other people. They have a huge heart. Il y a d'autres personnes par contre qui ont un cœur gros.
grand. They love people. Et qu'ils aiment les personnes. They love God. Ils aiment Dieu. And they want to do everything. Et ils veulent tout faire pour Dieu. For the Lord. Pour le Seigneur. But they have no head knowledge. Mais ils n'ont pas de connaissances. And they have no knowledge how to use their hands et and ils ne savent pas comment utiliser leurs mains et leurs pieds to work for the, for the pour travailler pour le Seigneur. And then they have those that they're really hard workers. Et donc, il y en a d'autres qui sont des travailleurs vraiment durs, qui travaillent durement. So I think this is a danger zone in the TLR movement, ça, c'est vraiment des zones de danger dans ce mouvement. Workers, their hands and feet are working for the Lord a lot. Ils travaillent énormément avec la main, leurs pieds pour le Seigneur. You become like a robot almost. Ils deviennent comme des robots. But you have no head knowledge. Mais ils n'ont pas assez de connaissances intellectuelles. And no heart for the Lord. Et ils n'ont même pas de cœur pour les perdus. So what we need to find a balance. Donc ce qu'il faut, c'est de trouver un équilibre. Have the sound doctrine in your head. D'avoir les doctrines au niveau doctrinal d'être vraiment a heart for the lost ones. D'avoir un cœur pour les perdus. And hands and feet. Et aussi les mains et les pieds. That are working for the Lord. Qui travaillent pour le Seigneur. Yeah. Okay. Can we ask? I need to watch you also. I'm sorry. So we need to be balanced. Donc il faut être équilibré. Need to find balance. Et il faut trouver l'équilibre. This is very important. Ça c'est très important. Be balanced. D'être équilibré. I am 100% sure that you have heard about the different dishes. You know, you are one dish or another dish. Je suis sûr que vous avez été enseigné par rapport les dangers de tomber d'un côté et d'aller à l'extrême, d'un extrême à un autre. We are called to walk in the middle of the road. Parce qu'on n'est pas censé aller d'un extrême à l'autre, mais de marcher au milieu de la route et pas de tomber dans les fossés des deux côtés. In balance. En étant déséquilibré. Oh, okay. Now I think now we're online. Je crois que ça va marcher là. Yes, thank you, Lord. Oui, merci, Seigneur. So we call this when you take a step into this new life. Donc quand vous faites une démarche dans cette nouvelle dimension, dans cette nouvelle vie. And you have heard many people testify about it today. Et vous venez d'entendre des témoignages de beaucoup de personnes. How their lives has been transformed. Comment leur vie a été transformée. Somebody, it's almost like addictive, like a drug to go to the streets. Oui, quelqu'un disait que c'est comme une drogue d'aller dans les rues, ils sont accros. It's amazing. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est sûr. It's a good drug. Et ça, c'est bien. It's the most important profession you can have in the world, actually. Ça, c'est la meilleure profession que vous pouvez jamais exercer. It's the preaching gospel. C'est de prêcher l'évangile. Because this is the only thing that have eternal value. Parce que c'est la seule chose qui a vraiment une valeur. So it's good to be addicted to that. Éternel. But we need to be balanced. On doit être équilibré. So when we take this step into this new kind of lifestyle. Et comme nous faisons un pas dans ce nouveau style de vie. Many times if we have like many years with Christ before. On peut avoir eu une longue conversion depuis des années. We have so much traditions. On a tellement de traditions. Different glasses. Des lentilles différentes. Have a look at scripture. La manière de voir l'écriture différente. So we need to start all over. Donc il faut recommencer à nouveau. Many times. Beaucoup de fois. Sometimes you just need to take away some stuff. Quelquefois il faut enlever certaines choses. We call it the detox period. Et donc on appelle cette période une période de détoxification. But when you take drug addicts to a rehab, you donc, know. C'est comme prendre les drogués et les dans un centre de réhabilitation. You isolate them from answer to. And then, to get the poison out, you know. Et donc pour enlever le poison. And I think everybody needs to go through this process. Et je crois que tout le monde doit passer par ce processus. I'm still fighting it, you know. Je lutte même encore avec ça. I discover things all the time. Parce que je découvre de nouvelles choses à chaque fois. But there need to change. Tout le temps. I thought it was. Il y a un changement qui and it was with me since before I started to change. Et le changement est continué depuis que j'ai commencé. So I think it's about to have a heart that's are willing to change. Donc on doit avoir un cœur qui est prêt à changer. I think it's very important to have a attitude. Il faut avoir une attitude. That you want to learn. Qui veut apprendre. The whole life. The whole life is a learning process. Parce que toute notre vie est un processus d'apprentissage. It never stops. Et ça ne s'arrête pas. That's amazing. C'est incroyable. So I remember when I came back to from Torben 5 years ago, home to Camilla.
Donc, je me rappelle quand je suis retournée en ayant vu Torben et je suis revenue à, chez Camilla. Donc, à cette époque-là, j'étais un leader d'une méga church, d'une grande église en Suède. Evangelization's team, outreach, et j'étais dans l'équipe d'évangélisation. Together with Camilla. Ensemble avec Camilla. But we didn't bear fruit. Et donc, on commençait à voir des fruits. We didn't see people get healed, set free, baptized. On n'avait pas vu des gens être sauvés, être baptisés, être délivrés, être guéris. Can you imagine? I was leading. Imaginez-vous que j'étais à la tête. The evangelization teams, you know, the city related. Je m'occupais des équipes d'évangélisation. In the biggest congregation in Sweden. Dans la plus grande église de Suède. And I have never led anyone to Christ. Et j'avais personnellement pas amené quelqu'un au Seigneur. When I think about today, it's crazy. Aujourd'hui, quand j'y pense, je dis c'est fou. We were doing things so wrong. Parce qu'on faisait la manière qu'on le faisait était. But we don't need to go into that now so much. We don't need to go into deep what we did wrong and so on now. Ouais, bon. We don't need to speak about all the wrongs we did. Donc on n'a pas besoin de s'éterniser sur tout ce qui n'allait pas. It's just a fact. C'est juste un fait. But then I went to Torben because I want to see signs and miracles, wonders. Donc je me suis tournée vers Torben parce que je voulais voir des signes, des prodiges. Because most of you saw some kind of video on YouTube or the movie or something. La plupart d'entre vous avez vu les vidéos ou un film, le film de Torben. And you go there, wow, I want to have this. Et vous avez dit, ah, moi aussi, je veux vivre ça. And it was the same for me. Et ça, c'était pareil pour moi. I saw this Danish guy, you know. Moi, j'ai vu ce Danois. Running around the streets. Qui courait partout dans les rues. Like, yeah, I've never seen anybody do that before. J'avais jamais vu quelqu'un le faire so avant. So I decided I want to do it. Donc j'ai décidé, je veux le faire. But I got much more than I asked for when I came. Et donc j'ai reçu beaucoup plus que je voulais recevoir. Because before I came to Torben. Parce que avant de m'approcher de Torben. I tried to ask him what church are you in. Je lui ai demandé mais dans quelle église vous êtes. But he simply. Et il m'a simplement. Didn't want to answer me that question. Il voulait simplement éviter de répondre. Yes, it's hard to explain. Oh, c'est difficile à expliquer. You will see when you come. Tu vas voir quand tu viendras. Because he understood directly where I was then. Parce que lui, il savait où j'en étais moi. I told him a story also before. Parce que je lui avais raconté mon histoire. Both me and Torben knew that we need to meet. Donc lui et Torben, on savait bien qu'il fallait qu'on se rencontre. It's a long story. So donc c'est une longue histoire, je ne vais pas rentrer dedans. But we know we need to meet. Mais on savait qu'il fallait se voir. So he waited. Donc il a attendu. So the time I spent with him in Denmark. Donc le temps que j'ai passé avec lui en Danemark. Four days. Danemark pendant 4 jours. I was observing him. Je l'ai observé. And I never saw him go to the church building. Et je l'ai jamais vu traverser une église de bâtiment. So on the last day. Donc le dernier jour. I wanted to help Brother Torben. Je voulais aider Torben, le frère Torben. It's kind of funny today. C'était un peu drôle. The thing was that before I left to Torben. Parce que avant de quitter Torben, en fait. Me and Camilla were praying together. Moi et Camilla priaient ensemble. And God just showed me a big white paper like this. Et donc Dieu m'a montré un papier blanc comme ça, comme ceci. And then I heard like, what you think you know now. Et Dieu me disait, est-ce que tu penses savoir maintenant? You need to rethink. Il faut repenser. Il faut changer. Rewrite. Il faut réécrire. I told Camilla about it. Et donc je l'ai dit à Camilla. But I had no idea what it meant. Mais je savais pas vraiment ce qu'il voulait dire le Seigneur. But anyway, the last day with Torben. Et donc le dernier jour avec Torben. I wanted to help him. Je voulais l'aider. So I told him. Donc je lui ai dit. Torben, I don't want to offend you. Torben, je vais pas t'offenser. But you know, you need to go to church, brother. Mais il faut que tu te rendes à l'église, frère. It's very dangerous if you don't have a church. C'est vraiment dangereux si tu n'as pas d'église. So, because I was in my mind then. Parce que dans mes pensées. If you don't go to a church building on a Sunday meeting. Si tu te rends pas le dimanche à un culte. You're in a very dangerous place. Tu es vraiment dans une zone très dangereuse. Because that was church for me. Parce que c'était l'église, c'était ça pour moi. An obligation to go on a Sunday. C'était une obligation de se rendre à l'église le dimanche matin. That's a lifeline. Et donc c'était comme vital. That's a lie. Mais ça c'est un mensonge. It's a big lie. C'est un grand mensonge. So, but when I also told Torben this, you know, you need to go to church, man. Mais donc quand je lui dis, il faut aller à l'église, toi. He has looked at me like. Et il me regardait comme ça. Peter.
Pierre. I want to tell you something. Je vais te dire quelque chose. Don't be offended. Ne sois pas offensé. He said the same thing to me. Il m'a dit la même chose. Okay. Que je lui avais dit. Go for it. Vas-y. We have spent 4 days together now. Donc on a passé 4 jours ensemble. We have read the Bible together. Donc on a lu la Bible ensemble. We have been to the streets praying for sick people together. On a été dans les rues prier pour les malades. We have prophesied over each other. On a prophétisé. Yeah, we have out healed the sick. On a guéri les malades. We have done a lot of things together on a during fait 4 days, Peter. Énormément de choses ensemble pendant ces 4 derniers jours. Can't you see it? Et tu ne vois pas? We are the church. Nous sommes l'église. And something happened inside of me. Et quelque chose s'est passé en moi. And then he pointed at me like this. Et donc il a pointé du doigt comme ça. You are the church. Toi, vous êtes l'église. It's true. Et c'est vrai? I just woke up. Je viens de me réveiller. I have been in Bible schools for years. Je viens de me réveiller. J'étais dans a lot of books. J'étais dans des études bibliques. J'ai lu énormément de livres chrétiens. I gave my life to Jesus Christ 14 years ago. Je m'étais donné au Seigneur, ma vie au Seigneur 14 ans auparavant. I was a grown-up man. Donc j'étais mature, un homme mature. So I have questioned most of the things that you can find in the Bible and tried it. Donc la plupart des choses que j'avais vues dans la Bible, je les avais essayées. But the most of the knowledge I had was up in my head. Mais toute la connaissance que j'avais se trouvait dans ma tête. Well, it was not in my heart. C'était pas dans mon cœur. So I need to be detoxed. Donc j'avais besoin de détoxification. Désintoxification. Merci. C'est elle qui m'a dit. Désintoxication. Désintoxication, on va rire. Je veux dire détox. Oui, c'est plus possible. And what I have discovered during this journey now, also during this year, is that we have a lot of knowledge here, but we need to have a connection to our heart. Donc, c'est bien d'avoir beaucoup de connaissances ici, mais il faut avoir la connexion avec le cœur. We don't understand everything up here. Non, on ne peut pas tout comprendre ici. The kingdom of God is here somewhere. Ici, ça se trouve ici, quelque part ici. The sunlight is realized. Et donc, I am the church. Si on réalise, je suis l'église. I don't need to go to some meeting. J'ai pas besoin d'aller me rendre à une réunion parce que moi je suis l'église. I am the temple of the Holy Spirit. Je suis le temple du Saint-Esprit. He's living inside of me. Il habite en moi. When I spend time, et quand je passe du temps with my brothers and sisters, avec mes frères et sœurs, we have church together. On a l'église ensemble. It doesn't matter. Peu importe. If you are on an airplane, si tu es dans l'avion. High in the sky. En haut dans les cieux. Like Samir told comme here. Samir avait dit. We led a woman to Christ here. Oui, en venant ici en France, on a amené une femme au Seigneur. We had church dans l'avion. We had church with her up in air. Et on avait l'église, on avait une église dans l'avion. And many people in the audience. Et beaucoup de personnes qui étaient dans l'audience. Locked inside the airplane with us. Qui se sont rassemblées avec nous dans l'avion. So she gave her life to Jesus Christ up there. Donc elle a donné sa vie au Seigneur. We pray for her. Et on a prié pour elle. We train her to pray for us. Et donc on lui a montré comment on prie pour les autres. Donc elle a prié pour nous. We had share. Et donc on avait une réunion d'église dans l'air. So the way I view church today. Donc la manière que je vois l'église aujourd'hui. It's so different. Est tellement différente. It doesn't matter where I am. Peu importe où je me trouve. I'm always the church. Je suis toujours l'église. And I feel no condemnation at all. Je n'ai aucune condamnation. For not going to Sunday meeting. Si je me rends pas or dans a Tuesday un culte meeting. Ou un culte le mardi. Or for missing a prayer meeting. Ou si je vais pas à une réunion de prière. I am the church when I'm asleep. Parce que je suis l'église quand je suis endormi. I am the church when I'm here. Je suis l'église quand je suis ici. I am having church with you now. Et maintenant ensemble on a l'église. When me and Bridget and Camilla we sat out having lunch. Donc pendant le déjeuner, on était ensemble pique-niquer de we had church together avec Camilla. On avait l'église là. Dehors. And I was looking around and I saw you donc, guys. Je vous ai vu, je vous ai tous vu. Sitting having church together. Vous avez eu l'église ensemble, vous aussi, en pique-niquant. When I read the Bible, I see they ate together. Et donc quand je lis la Bible, je vois qu'il y a 8 personnes ensemble. They did a lot of things together. Ils faisaient énormément de choses ensemble. And they were always the church. Et ils étaient toujours l'église. So we need to be detoxed, donc, I promise you. Donc il faut une détox. We need to understand. Parce qu'il faut comprendre. From the head to the heart. Une connexion de la tête
au you cœur. You don't need a big meeting. Parce que vous n'avez pas besoin d'une grande assemblée, une grande réunion. Actually, I prefer small meetings. En fait, moi, je préfère les petites réunions. Usually becomes much stronger. Parce que ça devient plus fort, plus intense. Everybody have a place to share. Tout le monde peut partager à sa place. Everybody can interact in their tout le monde peut interagir. So it's amazing. Donc c'est incroyable. So we will do that actually. We will end this day. Later we will finish the day. Quand on a fini la réunion, we will divide into small groups. On va se diviser en petits groupes. And we will show you a model to use. Et je vais vous montrer un modèle comment on peut faire. When we have church together. Comment avoir une réunion d'église ensemble. But we take that later. Mais ça, on va voir plus tard. So now you know that we are not the building is not the church. Non, maintenant vous savez que l'église c'est pas le bâtiment. We are the church. C'est nous qui sommes l'église. So when two or three are gathered. Donc là où il y a deux ou trois rassemblés ensemble. He is among us. Il est parmi nous. The Bible says so. La Bible nous le dit. Gospel of Matthew 18. Donc en Matthieu 18. Verse 20, I think. Verset 20, je crois. When two or three are gathered. Là où deux ou trois sont assemblés ensemble. I will be among you. Je serai parmi vous. So one thing I also have been detoxed from. Donc une autre chose dont j'ai dû être désintoxiqué. Is numbers. I don't care if it comes. If we become five people every day. Et donc je m'en fous des nombres si on n'est que cinq ici aujourd'hui. I promise you, I'm happy. Ça me rend heureux quand même. The five right ones. Parce que s'il s'agit de cinq personnes qui sont justes, qui sont les bonnes personnes. Il vaut mieux trouver 5 personnes qui sont en feu que des milliers qui veulent juste s'amuser. So this is the way we think. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit. Amen. But we will speak more about that also. Et donc, on va en parler plus tard. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous raconter. But when I came back from Torben, donc quand je suis revenu de Torben, and we'll go back to Camilla in Sweden. Et donc j'ai vu Camilla en Suède. Now I'm in trouble. Là j'ai des problèmes. Because you know she got saved about 25 years ago. Parce qu'elle s'était convertie il y avait 25 ans. Straight into the charismatic faith movement. Et donc elle était dans le mouvement charismatique de la foi. And we had a lot of arguing before also about church stuff, you know. Et on savait beaucoup de choses concernant l'église. And I knew one thing. Mais je savais une chose. In this household, dans ce foyer, we don't compromise with Sunday meetings. Il n'y a pas de compromis avec les réunions de dimanche. So I was nervous. I was going to come home to Camilla. J'étais nerveux de me rendre, de voir Camilla, de lui dire. And tell her that we need to do church in another way from now on. Et de lui dire, il faut faire l'église d'une autre manière. C'est pas le dimanche matin nécessairement. So when I come home to her. Et donc quand je suis arrivée à la maison, la voir. She asked me how have you been doing. Et elle me demandait comment ça s'était passé. I said it's been good. Tu vois. A lot of people got healed and so on. Ouais, il y a beaucoup de gens qui étaient guéris. It was true, but we et c'est vrai, hein? we saw many things. Beaucoup de choses se passaient. But I told her, Camilla, I need to speak to you. Mais j'ai dit, Camilla, il faut que je te parle. Because we speak, we are really open to each other. Parce qu'on est très ouverts. So if it's a problem, ensemble. Et donc si j'ai un problème, we don't let the sun go down. On laisse pas le soleil se coucher until it's solved. Mais on essaie de le résoudre. That's a good counseling advice. Et donc also. Ça c'est un bon conseil de. D'entraide. It's better. Sometimes it's late. Parce que c'est mieux. Quelquefois, ça arrive très tard le soir. But we fix the problem until mais on règle le problème avant de se coucher. Yeah. Anyway, so I told Camilla, I need et to speak to you. J'ai dit à Camilla, il faut que I je te parle. I have something to tell you. J'ai quelque chose à te dire. And then she told me, no, Peter, wait, I need to speak to you. Il a dit, attends. Attends, parce que moi j'ai quelque chose à te dire aussi. We have the same mindset. Parce qu'on a les mêmes manières de penser. And she said, Peter, I don't know, but you know, when you were away, I read this book. J'ai lu ce livre. It's called The Pilgrim Church. Et il s'appelle, le titre c'est. So we need to change the way we do church. Et donc il faut changer la manière de. And it was the same message I wanted to give her. Et c'était exactement le même message que je voulais lui donner qu'elle avait lu. So God has worked on her donc, before. Dieu a travaillé dans son cœur avant. So we just knew it's from God also. Et donc on savait que ça venait de Dieu. But then the period started with the detox. Et après cette période de détox a commencé. So of course we made a lot of mistakes. Et donc bien sûr on fait beaucoup d'erreurs. We made a lot of mistakes. On a fait énormément d'erreurs.
So we actually tried to continue in the church we were in. On a essayé de continuer dans l'église dans laquelle on se trouvait. But we weren't allowed to do the things we wanted to do. So. Mais on nous permettait pas de faire les choses qu'on voulait faire. So we were basically like pushed out. Donc on nous a un peu mis de côté. On s'est poussé dehors. We took a decision to leave in peace. Donc on a décidé de quitter en paix. It was good. Et donc ça c'était bien. We lost all our friends basically. On a pratiquement perdu tous nos amis. People stopped inviting us to parties and you know. Oui, on n'a plus été invité à des fêtes. We knew we found the truth. Mais on savait qu'on avait trouvé la vérité. And I understood them also. I understood how they're thinking. Oui, donc, mais j'ai compris quand même. Because I was thinking the same way before. Parce que avant, je pensais quand même de la même manière. When somebody leaves the box, quand quelqu'un quitte la boîte, they become a threat. Ils deviennent une menace. They can lead you astray. Et donc ils peuvent vous dévier. That's also a lie. Et ça c'est aussi un mensonge. It's not true. C'est pas vrai. No. And there's no protection in the church building. Et donc il n'y a pas de protection dans un bâtiment d'église quand même. The only person that can protect you. La seule personne qui peut vous protéger. Is Jesus Christ. C'est Jésus Christ. The good shepherd. C'est le bon berger. He sent us out among the wolves. C'est lui qui nous envoie vers les loups. Not because he's mean or, pas parce qu'il est méchant or evil. Ou est méchant ou. Because he does it because he's with us. Il le fait parce qu'il est avec nous. I think it was Brother Claude that said, when you go out, you know, you can feel the presence. He's with us. Oui, comme Claude disait tout à l'heure dans son témoignage, Dieu est avec nous, on le ressent. God is with us. Oui, Jésus, Dieu yeah. est avec nous. So our journey began there. Donc je viens de commencer ça, non? In our church, journey. Donc l'église. And I think the first mistake we made. La première erreur qu'on a commise. Because people ask, oh, what church are you in? Parce qu'ils nous demandaient, ah, dans quelle église vous êtes? When we're on the street preaching. Quand on est dans la rue, on prêche, And I told them, we have a house church. Et ben, nous avons une église de maison. Really? Ah ouais, wow. How many are you? Combien vous êtes? Ah, yeah. Oui. It's me and my wife. C'est moi et ma femme. You know, then I start to explain myself. Et après, je me suis expliqué. We could be many, like I was. Oh, on pourrait être nombreux. I was leader in the biggest church in Sweden. Parce que j'étais. We kind of left that. Leader dans une grande méga. You know, but I felt so condemned. Mais je me sentais tellement condamnée. Because I was measuring success in numbers. Parce que j'ai mesuré le succès en nombre. Instead of looking about the relation with God. Au lieu de le mesurer dans la relation avec Dieu. And then he called it to meet together and have church in a real way. Et donc il voulait que nous coordonner qu'on ait l'église dans la vraie manière de le faire. And today I don't care if you're. Et aujourd'hui je m'en fiche. If it's a church with 2-3 people. S'il y a que 2 ou 3 dans un groupe d'église. 50 or 100 people. Ou s'il y a une cinquantaine ou centaine. We always look what are they doing. Nous on regarde qu'est-ce qu'ils font. How does their life with Christ look like? Qu'est-ce qu'ils vivent en Jésus avec Jésus? How are they bearing fruit? Est-ce qu'ils portent des fruits? And so on. That's the point. C'est ça qui est important. Because like I said before, here with the loop. Parce que comme je vous ai dit et comme la boucle. We are the church is the like the how can you say the workshop. C'est l'église, c'est comme un atelier. To be equipped to go out. Afin d'être équipé pour sortir. To reach the lost ones. Pour atteindre le monde perdu. Yes. So where two or three are gathered. Donc là où il y a deux ou trois rassemblés. We have church. On a l'église. And it's so easy. Et c'est tellement facile. We have started many fellowships now. On a commencé énormément de communautés, de petits groupes. In Sweden. En Suède. When we came here with Rachel and Samir. Quand on est venu ici avec Rachel et Samir. And we sat down and okay, we decided now we stop. On a décidé de commencer. Is that it? Et c'est tout? Yeah. Ben oui, c'est tout. We just decided to start. Oui, on a commencé à. Because the two or three got it. Donc là où il y a deux ou trois ensemble, on commence. There's church. Et donc c'est là l'église. You don't need a lot of books. On n'a pas besoin d'énormément de livres. You don't need a church building. On n'a pas besoin d'un bâtiment d'église. You don't need a higher staff. On n'a pas besoin de personnel. Or a worship team. Ou une équipe de louanges. You need to just put down the cornerstone. On a besoin de mettre la pierre angulaire. Yeah, and that cornerstone. Et donc la pierre angulaire. Is your decision. C'est votre décision. To be the church.
d'être l'église. In your home. Chez vous. Or in a café. Ou dans un café. Or in a library. Ou dans une bibliothèque. Or somewhere else. Ou ailleurs. Or in a park. Ou dans un parc. The reason I'm telling these different places. La raison que je nomme tous ces différents endroits. Because we have stored the church in these different places. C'est parce qu'on a enlevé l'église de cet endroit-là. One of the leaders in Sweden for the Simple Church Network we're in. Des leaders d'église du réseau Simple Church qui s'appelle Simple Church, Église Simple. They have something they call Bacon Church. Ils ont quelque chose qui s'appelle. What is that? Bacon or bacon? Bacon. Bacon. Bacon Church. Oh. I will explain. Bacon lard. Eat bacon. Bacon Church. Bacon. Oui, bacon. Okay. The reason they call it Bacon Church. Et donc la raison pourquoi il s'appelle Bacon du bacon. Because those that meet are very busy men. Parce que ceux qui se rencontrent sont des gens très travailleurs qui sont très occupés. So the only time they have to meet. Donc la seule façon de se rassembler. Is in the mornings. C'est le matin. When they eat bacon breakfast together. Quand ils mangent bacon pour le petit déjeuner. And when they meet. Et donc quand ils se rencontrent. They do Acts 2:42-47. Ils font ce qui est écrit dans Actes 2, 37 à 47. 2:42. Oui, 42 à 47. 2:47. Oui. And that's it says that in the apostles' teachings. Et là, c'est écrit, c'était les apôtres qui enseignaient. The Bible. La Bible. Breaking of bread, communion. La communion fraternelle, c'est-à-dire un partage de la Sainte Cène. Prayers. Les prières. They devote themselves to each other. Et ils étaient dévoués les uns envers les autres. The sharing and caring about each other. Ils partageaient, ils se veillaient les uns sur les autres. They had church together. Donc ils avaient tout simplement l'église ensemble. Ils vivaient l'église. It's not about the name or the place. Donc il ne s'agissait pas d'un endroit ou d'un nom d'église. That's their solution of having church. Ça c'est la solution. I understand if you're shocked now. Mais je comprends si vous êtes un peu choqué. Especially if you come from a really traditional background. Particulièrement si vous venez d'un arrière-plan traditionnel. Yeah. Then it can be also like blaspheming. Parce que ça peut être comme un blasphème, pris comme un blasphème. But it's not. Mais c'est pas ça. The church is not the building or the place you meet. L'église c'est pas le bâtiment ou un endroit. The church is actually us. L'église c'est nous. Living in Acts 2:42-47. Qui vivent Actes 2:42-47. And we will end off the day to do a study in this scripture together. J'ai perdu le fil. Tu peux répéter? We will end this day. Donc on va finir cette journée. To have church around that scripture. Autour justement de Actes 2:42-47 ensemble. On va le vivre ensemble. And I can promise you one thing here. Et je vous garantis une chose. You're going to be amazed. Vous allez être étonné. When you divide into small groups. Parce que quand vous vous divisez en petits groupes. And we'll give you a model to use. Et I will give you. And we will give you a model to use. Et on va vous donner un modèle à utiliser. And you will see a lot of things. Et vous allez voir énormément de choses se passer. It's amazing to see what this happens, what this does to people. Oui, c'est étonnant ce qu'il fait, ce que Jésus fait avec les gens. Amen. So now you know it's easy to start a church. Donc maintenant vous savez que c'est facile de commencer une église. You don't need to sign a form. Vous n'avez pas besoin de signer un formulaire. And send it to the Pope. Et de l'envoyer au pape. Or ask him if it's okay. Vous devez demander la permission. You don't need to send a form to me. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un formulaire que vous voulez commencer une église ou à Samir. You can just decide. Oui, c'est vous de décider. To start a church. Je commence une église. Of course, when we speak about, it's good to plug into a network. Bien sûr, c'est bien de se connecter, interconnecter avec un réseau. But there is a network here. Mais il y a un réseau déjà ici. I see a network here. Donc, je le vois, le réseau ici. Wherever I go in the world today. Donc, peu importe où vous vous rendez aujourd'hui dans le monde. We start our fellowships. On peut commencer une communauté, un groupe. If they want to, we connect them into a network. Et s'ils veulent, ils peuvent se connecter dans le réseau. Because we are the body of Christ. Parce que nous sommes le corps de Christ. In September, I will come back here with Camilla to France. En mois de septembre, je reviens avec Camilla en France. And it's another house church network. Et il y a un autre réseau d'églises. They have invited us to come here. Qui nous ont invités de venir ici en France. And travel around to different churches. Et on va se déplacer dans différentes églises. To equip them. Pour les équiper.
And of course, we will connect them with you. Et bien sûr, on va les connecter avec vous. This is how the kingdom grows. Parce que c'est comme ça que le royaume se répand. So, but every church, donc chaque église, are independent. Est indépendante. Yes. Mm-hmm. You decide what you will do. C'est vous qui décidez comment vous allez faire, comment vous voulez faire. Yes. We will end this day also with questions and answers, you know. Et donc bien sûr, il y aura des questions et des réponses aussi. On va finir avec ça. I can imagine that you already now have a lot of questions. J'imagine que vous avez déjà pas mal de questions. We love questions. Et on aime les questions. Sometimes we can't answer them. Sometimes we cannot answer them. Quelquefois, on n'arrive pas à trouver la réponse, à vous répondre correctement. Yeah. Maybe we can answer them together. Mais on peut se le poser ensemble. Usually that's the way we do church. Donc c'est comme ça qu'on fait l'église. We come together. On se rassemble. And we don't debate. Et on n'a pas de débat. We don't have discussions. On n'a pas de discussion. We have conversations. On a des conversations. Des conversations, yeah. Pardon, c'est l'accent. To find answers together. Pour trouver des solutions. To answers, find answers. The way we know that it works. Donc, on sait que ça marche. Because we have started many fellowships now. Parce qu'on a déjà commencé ces genres de groupes de maisons. And we see how they grow. Et on voit qu'ils grandissent. And we see the freedom people come into. Et on voit la liberté dans laquelle ils rentrent. To be the priests they're called to be. Pour qu'ils soient les prêtres ou les sacrificateurs que Dieu les a appelés à être. They don't need those for permission to lead someone to Christ. Ils n'ont pas besoin de permission d'amener quelqu'un au Seigneur. Or baptize somebody. Pour les baptiser. The whole package. Parce que tout le package. Yeah, the whole package. Tout le package. Yeah, yeah. I will show the package here. Oui, je vais vous montrer le package tout à l'heure. It's good. C'est bon. It's multiplication. C'est la multiplication. The kingdom of God is multiplication. Parce que le royaume de Dieu, c'est la multiplication. That was the reason it grew so fast in the beginning. Ça, c'est la manière que l'Église a augmenté, a s'est répandue. And if you look around, if you look around in the world, et si vous regardez autour du monde, those places, les endroits where you see most people come to Christ, où vous voyez les gens se convertir le plus rapidement, le plus, is where they have persecution. C'est là où il y a la persécution. Because they have persecution, parce qu'ils ont la persécution, they need to meet in secrets. Et ils ont besoin de se rassembler en secret. Usually in homes, et en général dans les foyers, basements, dans les maisons, dans les sous-sols, dans les caves. A place where they can do it in secret. Un endroit où ils peuvent, où ils seront pas vus. Like China. Donc, comme en Chine, you have a huge underground church there. Vous avez une église souterraine énorme. A huge amount of people come to Christ all the time. Énormément de gens qui se convertissent au même moment. Multiplication. Il y a une multiplication incroyable. They know. Et donc ils savent that they are priests. Qu'ils sont des prêtres, des sacrificateurs. And that they have a mission. Et qu'ils ont une mission. To tell others about Jesus Christ. De raconter aux autres la bonne nouvelle. We don't hear so much about China in the Western world. Et on n'entend plus autant parler de l'Église de Chine et de l'Orient, but de l'Ouest. They are brothers and sisters in China. Mais il y a des frères et sœurs en Chine. They're dying like flies. Qui meurent comme des mouches. All over. Partout. Not only in China. Pas seulement en Chine. Because they're sending missionaries. Parce qu'ils envoient des missionnaires. To the Middle East. Au Moyen-Orient. Iran, en Iran, ISIS areas, dans les endroits où il y a ISIS, they develop technology. Ils développent une technologie. Yeah. Ouais. For example, one thing they do. Par exemple, une chose qu'ils font. They make a plastic rock. Ils fabriquent un rocher en plastique. With a Wi-Fi transmitter inside. Avec un transmission de Wi-Fi. And they throw that rock into the ISIS roads. Et donc, ils envoient ce rocher en plastique avec le Wi-Fi chez le groupe ISIS dans leur rue. And then they hide. Et après, ils se cachent. But that Wi-Fi is connected. Mais cette Wi-Fi est connectée. To movies about Jesus. Ils se connectent des Bible, films sur Jésus, sur l'Évangile, sur la Bible. But also contact information. Mais aussi des contacts, de l'information, comment rentrer en contact avec certaines personnes. So some Muslims, they come to Christ. Donc il y a certains musulmans qui se convertissent. But some Muslims, they take them and kill them, of course. Et d'autres, bien sûr, ils prennent cette information-là et ils les tuent. But they have actually understood the mission. Mais ils ont compris leur mission, moi. And this is strong. Et c'est ça. We need to understand this. Donc il faut qu'on comprenne ceci. The mission. La mission. Yeah.
So we will do our best today. Donc on va faire de notre mieux aujourd'hui. And tomorrow also. Et demain aussi. To motivate you. Pour vous motiver. I have good news for you. Donc j'ai des bonnes nouvelles pour vous. You cannot kill a Christian. Vous ne pouvez pas tuer un chrétien. You can only change the address. Vous pouvez juste changer leur adresse. Good news. C'est de la bonne nouvelle. I have several death threats on me. Parce que j'ai plusieurs menaces de mort sur ma vie. People that actually they promise to kill me if I don't stop doing this. Il y a des gens qui me disent je vous tuerai si vous n'arrêtez pas de faire ce. Every time I answer to them is only one time. I answer one time. Et c'est seulement une fois que j'ai répondu à une telle menace. I answer like this. J'ai dit. You cannot kill a Christian. Tu ne peux pas tuer un chrétien. You can only change the address. Tu peux seulement changer leur adresse. God bless you. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. So, we could read. Yeah, do you have a Bible here? Yes. So, you go to Psalm 127. Donc, on regarde Psaume 127. And verse 1. Verset 1. That's a good one. C'est un très bon verset. You can read it in French, right? Et je vais le lire directement en français. En français, c'est en Europe. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Yes. We need to let God build the house. Il faut laisser le Seigneur bâtir la maison. You need to be in the plan of God. Il faut être dans le plan de Dieu. That's the reason it's so important with the loop. C'est pour ça que c'est tellement important cette histoire de boucle. We meet together as church. Il faut qu'on se rencontre en tant qu'église. And we come together in the loop. Et on se rassemble dans une and boucle. We listen to God. Et on écoute Dieu. And he will point us out. Et lui, il va nous envoyer. He will give you a mission. Il va vous donner une mission. But meanwhile, we need to listen to him. Mais il faut qu'on l'écoute. We need instructions from him. On a besoin de ses instructions. So many people, for example, they think when they're fasting, donc beaucoup de gens pensent que quand ils jeûnent, they can threaten God. Qu'ils peuvent menacer Dieu le prendre par le cou. I'm fasting, now you do what I tell you to do. Je jeûne, alors tu fais ce que je te dis. I read it in the Bible. Et je lis la Bible. I'm fasting now. Et je jeûne. Can you see? Et tu le vois quand you même. Need to heal me. Il faut que tu me guérisses. You need to heal my friends. Il faut que tu guérisses mes amis. You need to give me a huge revival. Il faut que tu me donnes un grand réveil. That is not the reason for fasting. C'est pas pour ça qu'on jeûne. The reason for fasting. La raison pourquoi on jeûne. It's so simple. C'est tellement simple. Because you take away all the distractions. Parce que tu enlèves toutes les distractions. All the noise. Tout le bruit. And you seek solitude with God. Et tu cherches la solitude avec Dieu. And you will hear the voice much clearer. Et comme ça, tu entends plus clairement ça. Why was Jesus always 100% successful? Pourquoi Jésus avait de la réussite à 100%? Because he was always in the will of God. Parce qu'il était tout le temps dans la volonté de Dieu. 100%. À 100%, il était dans la volonté de Dieu. When you are in the will of God, et donc, quand vous êtes dans la volonté de Dieu dans votre propre vie, you will succeed. Alors vous aurez you will be successful. Du succès. Vous aurez la réussite. So we need to fast donc, and pray besoin de, and listen. De jeûner, prier et écouter. So I can give you an example. I can't tell you what God will do in your life. Je peux pas vous dire ce que Dieu va faire dans votre vie à vous. That's the amazing part that we all are priests. C'est ce qui est incroyable, c'est que nous tous nous sommes sacrificateurs. He speaks to you and you and you and you and you and you and you. Il vous parle à vous et vous et vous. We are all priests. Nous sommes tous des sacrificateurs. It's a lot of instructions for us. Et donc c'est énormément d'instructions qu'on peut recevoir. And we have different paths. Et nous avons des différents chemins à prendre. But we are connected together. Mais nous sommes ensemble connectés. In the body. Liés dans le corps de Christ. Et Jésus est la tête. So when you let God build a house for donc, you, si vous laissez Dieu bâtir votre maison, it's going to be amazing. Ça va être incroyable. I want to give you an example. Je vais vous donner un exemple. God has put in our hearts this start house churches, small churches. Donc Dieu nous a mis à cœur de commencer and, des petits groupes de maisons, des églises de maisons. And also when we travel out in the world, different donc, countries. Quand on voyage dans le monde, dans différents pays. We always train a team when we come to a place. Quand on se rend à un lieu, on va toujours créer une équipe. And we
the team is about between 10 to 20 people. Et l'équipe c'est à peu près 10 à 20 personnes. So it's enough for me and Camilla to go out. Donc ça suffit pour moi et Camilla de aller dehors. And we build up a team in that place. Et donc on fait une équipe, on réunit une équipe à cet endroit-là. And then we have a bigger Kickstarter seminar. Et après on a un autre séminaire de pour Kickstarter. When the team is trained, they become trainers. Et comme quand cette équipe de 10 à 20 personnes sont équipées, alors c'est eux qui équipent les autres. And we stay between a week and 10 days. Et donc on reste entre une semaine et 10 jours, quelquefois même un peu plus. So when we leave. C'est quand comme ça, quand nous on quitte, on part. We cry. We on cry. Pleure, on they pleure. Cry. Eux, ils pleurent. Because we get to know each other. Parce qu'on s'est rencontrés, on a se connaître. We connect to each other. Oui, on s'est connectés de cœur à cœur. But when we leave. Et quand on part. They can do what we are doing. Ils peuvent faire. Ils arrivent à faire ce que nous on a fait. It continues. Et ça continue. L'œuvre continue. And so far. Et donc jusqu'à maintenant. Look here. Regardez là. Samir, il est là. Rachel. Et Rachel. Yeah, you are the in this. You continue. Et vous avez continué. I don't know if everybody did it, but those je continue. Je sais pas si tout le monde l'a fait, mais certains, beaucoup ont continué. That's the reason we're here today. Et c'est pour ça on se rassemble aujourd'hui. Because they continue to bear good fruit. Parce qu'ils ont continué à porter des fruits. So this is what God has put in our hearts. Et donc ce que Dieu a mis à notre cœur. And also start up small churches. Et de commencer de petites églises. But then, of course, the devil comes. Mais bien sûr, l'ennemi arrive. He wants to distract you from the plan. Parce qu'il veut vous distraire du plan. So one time I got an invitation. Donc une fois, j'ai reçu une invitation. Have you heard about Awakening Europe? Est-ce que vous avez entendu de l'organisation Awakening Europe? Réveillez l'Europe. Oui, vous avez entendu. They rent a huge stadium. Parce qu'ils ont loué un grand stade. With a cost for about 3 million euros. Ça leur a coûté dans les 3 millions d'euros. For 3 days. Pour 3 jours. And they gather about 20,000-30,000 people. Et ils ont rassemblé 20 à 30 000 personnes. And they have worship bands. Et il y avait des équipes de louanges, de la louange. Smoke cannons. Smoke cannons. Donc oui, des canons de lights, de fumée, you know all the things. Tout le nécessaire. In a big arena. Donc dans une grande arène. And you have certain people on stage. Et donc il y avait certaines personnes sur l'estrade. With a mic. Avec un micro. And you have about 30,000 people just listening. Et il y a 30 000 personnes à peu près qui écoutent. Worshiping God. Et qui louent, adorent le Seigneur. I have no problem with that. Mais ça ne me pose pas de problème. If they want to do that, they can do that. S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. But that's not what God told me to do. Mais c'est pas ça que tu m'as so dit I de want... faire. So I don't won't be distracted by that. Donc moi je ne veux pas être distrait par ça. Because they invited me to come there. Parce qu'ils eux, ils m'ont invité de me rendre à cet endroit-là. Because they're going to have this in Sweden. Parce que. They're going to have this event in Sweden. Parce qu'ils veulent aussi organiser le même événement en Suède. And I said no, thank you. Et donc je dis non, merci. Why? Pourquoi? Because I hear the voice. Parce que moi j'entends la voix. God never told them to do it. I don't know. Bah peut-être Dieu leur a dit de faire ça. Je sais pas. But he never told me to do it. Mais il m'a pas dit à moi. So it's not about the crowds. Donc il s'agit pas des foules. I could stand there with a mic. Je pourrais me mettre ici avec un micro. Many people would see us. Et beaucoup de gens nous verraient. But this is not what it's about. Mais il s'agit pas de ça. It's not about the platform. Il s'agit pas d'une estrade. And the way we do it. Ou de la manière que nous on fait. If I would have 3 million euros to spend, si moi j'avais 3 millions d'euros à dépenser, I would feed a lot of hungry babies in je nourrirais beaucoup de bébés en Afrique. I would support je soutiendrais evangelists, preachers, des évangélistes, des prédicateurs. With 3 million euros, des orateurs. You can send out a lot of people Europe, in the mission field. On pourrait envoyer énormément de missionnaires dans le monde. And it will continue. Et ça continuerait, l'œuvre continuerait. I live in Sweden. Mais moi j'habite en Suède. The event has been there for 3 days. The event has been there now. Donc l'événement a eu lieu pendant 3 jours. I have seen nothing change. Et j'ai vu aucun changement. They had some fun for 3 days. Oui, ils ont eu un peu, ils se sont amusés pendant 3 jours. People got a bus. Et les gens. Like a spiritual bus. Oui, ils avaient. Effervescence en quelque sorte. I'm not against big gatherings. Et je ne suis pas contre des grandes rencontres. But I'm against. Mais je suis contre. Using the things God has put in our hearts in a wrong way. D'utiliser ce que Dieu nous a mis à cœur d'une autre manière, d'une manière qui n'est pas juste. When I read the Bible, this is not what I see. Quand je lis, moi je lis la Bible, c'est pas ça que je lis.
So, I said no, I say no, thank you. Je dis non, merci. And they were very upset et about it. Et ils étaient vraiment un peu bouleversés, ils n'étaient pas contents. And they didn't call me. Et donc ils m'ont pas appelé. They called Torben instead. Ils ont appelé Torben à la Why don't you want to be with us? Et pourquoi vous ne voulez pas venir? And Torben told them. Et Torben me leur a dit. Call Peter and ask him. Tu appelles Peter et tu lui demandes pourquoi. So they didn't ever call. Et donc, So I told them, give me the number. Et donc, je lui ai dit, donnez-moi le numéro. But they never answered my call. Et donc, ils n'ont jamais répondu. Yeah. Ils n'ont jamais répondu. Ouais. God bless them. Donc, que Dieu les bénisse. I just want to give you. I'm not speaking bad about people. This is. Je ne veux pas parler du mal des gens. I'm just telling you what is good. Je vous raconte juste que ces bandes. Let God build the house. De laisser Dieu bâtir. Stay in the vision. Et de rester dans la vision. And persevere. Et de persévérer. Continue with that. Et de continuer. And it will grow. Et ça marche. And it will bear fruit. Et ça va porter du fruit. Look at Jesus Christ. Si vous regardez Jésus Christ. He began with 12 disciples. C'est lui qui a commencé avec 12 disciples. He spoke to the crowds, yes. Il a parlé aux foules. He sent out a message. Il a envoyé un message. But when he made disciples. Mais quand il a fait des disciples. He went for the 12. Qui? He went for the 12. He trained the 12. Oui, il les a bien équipés, il les a envoyés. That's the reason we are here today. Et c'est pour ça on est là aujourd'hui. It ended up pretty good, right? Et ça finit pas mal, hein? Yeah. Ouais. He made disciples. Donc vous faites des disciples. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. So, I get so excited. Je mets. But then, when you live in this kind of life. Quand vous vivez de ce genre de vie. And you see what God is doing. Et vous voyez ce que Dieu fait. It's amazing. C'est tellement étonnant, incroyable. It's a freedom. C'est une liberté. When we came here, quand on est venu ici, on Thursday, jeudi, some people came to get baptized. Et Samir a ramené des gens qui voulaient se faire baptiser. And I experienced something I never experienced before. Et j'ai expérimenté quelque chose que j'avais jamais vécu avant. We had church together. On était rassemblés ensemble en tant qu'église. And we baptized them. Et on les a baptisés. They were filled with the Holy Spirit. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. And one of the men. Et d'un des hommes. He started speaking tongues. Il a commencé à parler en langue. But he could not stop. Mais il n'arrivait plus à s'arrêter. And he said, and he came to me. Il ne parlait pas normalement. And he understood everything he said. Et donc, en plus, on comprenait ce qu'il disait. It was so amazing to see. Et c'était tellement incroyable. It was really strong. Et c'était fort. And there was nothing demonic over it. Et il n'y avait rien de démoniaque. He was so filled with the Holy Spirit. Il était tellement rempli de Saint-Esprit. In a home. Et dans un foyer. In a Thursday, on a Thursday evening. Le jeudi soir. Like the book of Acts. Oui, ça c'est comme dans les livres des Actes. The power of God was there also. La puissance de Dieu était là aussi. His friend. Et donc son ami à lui. We sat down and we're gonna eat pizza. Et donc on était là pour manger une pizza ensemble. And I'm gonna make a live video like. Et donc moi je voulais prendre en Facebook. Vidéo pour le mettre sur Facebook. To show people, look, this is so amazing. Wow. Pour montrer aux gens comment c'est incroyable. And suddenly I see this man. Je vois cet homme qui fait ça. I never see somebody. Cast out a devil from somebody around the dinner table before. Et moi, ça m'est jamais arrivé de voir quelqu'un qui était délivré autour d'une table en mangeant une pizza. It's an exciting night. C'est vraiment excitant. I see much more action. Enthousiasme. It's like an adventure today. C'est comme une aventure. And wherever we go, you know, we see this kind of stuff. Et là où on va, on voit ce genre de trucs se passer. And this is for everybody. Et donc ça, c'est pour tous, en fait. Yeah, we see it. On le voit. Those that continue. Donc ceux qui continuent. And they're ready for the change. Et ils avaient un changement. They experienced a lot of supernatural things. Et donc ils expérimentent des choses surnaturelles. We love it. Surnaturelles. It's incroyable. It's beautiful. Et c'est merveilleux. When we came, Rachel told Camilla. Donc quand on est arrivé, Rachel a raconté à Camilla. We speak sometimes over Messenger and Skype. Oui, quelquefois sur Skype, on partage, on se contacte. But we have been really busy. Mais on était vraiment très occupés. So we haven't fully understood. Et donc on n'a pas complètement compris. How much it has grown here. Combien ça s'est agrandi ici, quoi, ça grandit. Camilla was crying. Camilla pleurait. Oh, she was so amazing. En larmes, elle disait, oh, c'est trop bien.
sometimes we just look at each other. Et donc on s'est regardé dans les yeux. And said, wow, what is happening? Oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est super. What is God doing? Oh, qu'est-ce que Dieu fait là? It's amazing. C'est incroyable. All around the world. Et donc partout dans le monde. People coming to Christ. Les gens qui se convertissent. Set free. Qui sont libérés. Disciples that continue. Et des disciples qui continuent. It's just, it's so beautiful. Et c'est merveilleux. And this grows more and more. Et donc and more ça grandit, ça augmente en chiffres. Homosexuals, et des homosexuels qui se convertissent, des criminels, des drogués qui se convertissent, super rich people come to Christ. Les gens très riches qui se convertissent. We had a house meeting up in Boston one time. On avait à Boston une réunion d'église, de maison. And this man came, he was a super millionaire. Et ce super millionnaire venait se rendre à cette... And he was so happy about all his money. Et il était tellement heureux d'avoir autant d'argent. He has sold one of his companies. Sorry, he has sold one of his companies. Il a vendu une de ses entreprises for $80 million. Pour 80 000 dollars. Millions. It's money. C'est beaucoup d'argent. You know, I just told him. Et donc je lui dis. That won't take you to heaven. Et maintenant, on va te prendre au ciel. Ça ne t'emmènera pas au ciel. That doesn't impress me. Ça ne t'emmènera pas au ciel, ça ne m'impressionne pas. That man came to deep repentance. Et donc cet homme s'est repenti profondément. Et il était baptisé. Filled with the Holy Spirit. Il était rempli du Saint-Esprit. Speaking in tongues. Il a commencé à parler en langue. I took him out, kickstarted him. Et je l'ai sorti dans les rues pour le kickstarter. You should see his wife when he came to his house. Vous devez voir sa femme en to baptize him. Chez lui, pour baptiser sa femme. She was like, non, pour le baptiser chez sa femme et elle regardait comme ça. Wow. But he's a changed man. Parce qu'il a complètement changé. Everybody needs the gospel. Tout le monde a besoin Everybody. De l'évangile. Tout le monde. Amen. Amen. Yes, it's just about to present it in the right way. Et donc c'est pas le pourcentage qui compte. Sometimes they need a radical help preaching. Quelquefois ils ont besoin de l'aide radicale pour les aider. Sometimes they need a big hug. Quelquefois ils ont besoin d'un bon câlin. You know, we need to adapt. On doit s'adapter. That was the main reason also I showed in this picture before about the revelation about Jesus Christ. Ça c'est la raison principale pourquoi je vous ai montré l'image sur Jésus-Christ. I like to follow the example of Parce Paul. Que j'aime bien et, suivre l'exemple de Paul. To become like a Jew. De devenir comme. Or a Greek. Comme un juif, comme un grec. Adapt to different situations. De s'adapter à différentes situations. To catch the fish. D'attraper des poissons. You that like the fish here, you know. Parce que vous aurez aimé les poissons, je suis sûr. Different waters. Dans des eaux différentes. Different baits. Différents, il faut des différentes appâts. And if you go fishing in the bathtub. Et donc si vous pêchez dans une petite baignoire. The church building. Ça c'est l'église, le bâtiment. Probably you will not find so much fish. Là vous n'allez pas trouver énormément de poissons. We fish in the ocean. Mais nous on pêche dans l'océan. And we use different baits. Et on utilise des appâts différents. For different fish. Pour des différents poissons. Amen. Ça marche. So can we read now? Et donc on va lire. From Book of Acts. Tu me cherches? Il faut que je te cherche. Merci. Chapter 2. Chapitre 2, Acts. Chapter 2. 2. Verse 37. Verset 37. To 47. Jusqu'à 47. The whole we call this the whole package. Donc on appelle ça le package. Sometimes we get stuck in Acts 2, 37, the whole one. On s'arrête en acte, au début des actes, et là, on that's just about being born again. Donc c'est ça, tout parle de, le début parle d'être né de nouveau. But then we need to step into life. Et après, il faut rentrer dans la vie. But we can read it, the whole package. Donc je vais lire tout ça, de 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivant touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et que vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. We call this the full package. Donc on appelle ça le package total. Yeah, I know in the TLR movement. Et donc dans le mouvement, we focus very much. On se centre beaucoup on Acts 2:37. Sur Actes 2:37. To 41. Jusqu'à 41. It's the day of the Pentecost. Ça, on parle du jour de Pentecôte. And it's amazing. Et c'est incroyable. Because we need to speak about repentance. Parce qu'il faut parler de la repentance. We need to speak about holy baptism. On a besoin de parler du baptême dans l'eau. We need to speak about receiving the Holy Spirit. On a besoin de parler de recevoir le Saint-Esprit. To be radical. Et d'être radical. It's good. C'est bon. Because the truth. Parce que la vérité. Set people free. Libère. So we can call that the part of the gospel. Et donc cette partie de l'évangile. Where you bring people to repentance. Là où on mène les gens à la repentance. Or conversion. Ou à la conversion. And baptism. Et dans le baptême de l'eau. To be born again. Pour être né de nouveau. So we are good at that. Donc on est bon pour ça. On sait faire ça. But then the Bible doesn't stop there. Mais après la Bible ne s'arrête pas là. It continues. It continues in Acts 2. Ça continue en Acte 2, 42 à 47. And we call that part life. Et on appelle cette partie la vie. Yeah, it's just a compromised version of the life of the first Christians. Donc c'est compacter la vie des premiers chrétiens compactés. How they came together. Comment ils se sont rassemblés. They met in the homes. Comment ils se sont rencontrés dans leur foyer. And in the temple. Et dans le temple. The temple was a marketplace. Et le temple était la place du marché. They were not allowed to preach inside the synagogue. Ils n'avaient pas le droit de prêcher dans les synagogues à cette époque-là. But the temple area was a marketplace. Those pagans were there. Au fait, la cour du temple, c'était le marché où se trouvait le marché, et là, ils avaient le droit de se rassembler. So they went there to fish. Et c'est là qu'ils pêchaient. But then they met in the home. Et après, ils se rencontraient aussi chez eux, entre eux. And they stuck to the apostles' teaching. Et donc, ils ont continué dans la prédication des apôtres. And the breaking of bread. Et donc, ils rompaient le pain et les prières dans la prière. They devoted themselves ils se sont each other. Dévoués à ça. It's amazing. Et donc, c'est formidable. They actually sold all their possessions. Ils vendaient tout ce qu'ils posséder. I think this is one of the biggest gods in our age now. Je crois dans notre époque c'est un des dieux les plus grands. It's our material things. C'est les choses matérielles. I know what I'm speaking about. Je sais de quoi je parle. Because when God calls us to do this, quand Dieu nous a appelés, it was not easy to let go of stuff. C'était pas facile de laisser derrière nous toutes ces affaires, les choses. But I need the shoes. Mais j'avais besoin de chaussures. Yeah, I need to make a choice. A choose. Choose. J'avais besoin de choisir, bien sûr. Camille also needed to make a choice. Vous aussi de choisir. And I had a very good work. Et donc j'avais un bon travail. I worked in a media company. J'ai travaillé pour une entreprise médiatique. They gave me a brand new special design Mercedes from Germany. Et donc ils me donnaient un nouveau Mercedes, un grand Mercedes d'Allemagne. For you guys that like cars. Et pour ceux qui aiment bien les voitures. AMG donc, package. Et le panorama package, le toit ouvrant avec. You push a button. Et vous appuyez sur un bouton. The roof open. Et donc le toit s'ouvre. A big fat paycheck every month. Et donc j'avais un bon salaire, a lot of un money. Gros salaire, beaucoup d'argent chaque mois. Paid vacation 2 times a year. Et on me payait les vacances 2 fois par an. Free par phone. An, et je pouvais free appeler Yukon. Librement sans payer. If I need to go to massage, gratuitement. Pay for that. Et si je voulais me laisser faire un massage, donc c'était gratuit. They took care of me. Donc ils prenaient soin de moi. It was a comfortable life. Et c'était confortable. But then I need to make a choice. Mais il fallait que je choisisse. Stop working there. Donc je m'arrête à travailler pour eux. Lose everything of that. Et je perds tout ça. But win something else. Mais je gagne autre chose. So I was wrestling with God. Et donc je luttais avec Dieu. To put it mildly. Pour dire
For more, almost a year. Pendant toute une année, je luttais, j'avais du mal. You know, Jacob wrestled with God. Vous vous rappelez de Jacob qui a lutté contre Dieu? He broke his hip. Et il a, lui a cassé la hanche. I can promise you one thing. Et je peux vous dire une chose. You have my witness there. Que vous avez le témoin. I was a broken man. J'étais vraiment cassé, brisé. But then I looked in a mirror. Mais je me suis regardé dans le miroir. In a hotel room. Et dans un hôtel. I was on a business trip for the company. J'étais sur un voyage d'entreprise et dans une pour l'entreprise. I was so tired. Et j'étais tellement fatigué. My heart was jumping. Mon cœur. I got these rashes all over. Battait fort. J'étais stressé. J'étais tout rouge. And I looked in the mirror. Et je me suis vu dans le miroir. And I told God. Et j'ai dit à Dieu. I give up. J'abandonne. I give up. J'abandonne. Alléluia. God is a gentleman. Et Dieu c'est un gentleman. But he knows what is best for us also. Mais il sait ce qui est mieux pour nous quand même. We can look at the story about Jonah. Et donc on peut voir l'histoire de Jonah. He kind of motivated him a little bit. Il fallait le motiver un tout petit peu. To do what he told him to do. Pour faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Yeah. But then actually my journey to go full time started. Mais donc on a commencé à plein temps. And I don't complain. It's amazing. Yeah, I don't complain. It's amazing. Et je ne vais pas me plaindre parce que c'est incroyable, c'est super. Because the material things in this world, parce que les choses matérielles dans ce monde, we are so stuck with it. Nous sommes tellement coincés avec ça. But it's not, it doesn't make us happy. Mais c'est pas ça qui nous rend heureux. I meet a lot of people around the world. Je rencontre beaucoup de gens au niveau mondial. Usually those guys don't have so much. Et souvent les gens n'ont pas énormément d'argent. Material things. Beaucoup de choses matérielles. They are so satisfied. Ils sont quand même très contents. They live day by day. Ils vivent le jour au jour. They have the mother, father, children. Ils ont les enfants, leurs parents, ils s'aiment. The two values of life. Oui, c'est les deux valeurs. Relation to God. La relation avec Dieu. It's a beautiful thing. C'est quelque chose de merveilleux à trouver. That's the pearl. Et c'est ça, comme. That's the pearl. So if you go to the book of Acts here, you can see that donc, they sold. Quand vous allez dans les livres des Actes, they sold the possessions. Ils ont vendu tout, toute la possession. And I was thinking, how can they do that? Et je me suis dit, mais comment ils pourraient arriver à faire ça? Usually when we show people that passage, you know. Parce qu'en général, quand on montre ce passage aux gens, I agree with everything, but not about selling the possessions. Je suis d'accord avec tout, mais vendre tout, non merci. We don't need to do that. Non, on n'a pas besoin de le faire. But it's a picture of mais their hearts. Ça démontre leur cœur. How devoted they were. Comment ils étaient. Dans leur cœur. Yeah, and the only conclusion I can come to. Et la seule conclusion à laquelle je peux arriver. How they were able to do it. Comment ils sont arrivés à le faire? It's because they love Jesus Christ so much. C'est parce qu'ils aimaient Jésus-Christ tellement. And they loved each other so much. Et ils s'aimaient eux entre eux tellement. The love for God and for each other was so strong. L'amour pour Dieu et pour les autres était tellement fort. There was no problem. Que ça posait aucun problème. They saw a fellow brother or sister in need. Et quand ils voyaient le frère, le sœur dans le besoin. What do you do if you? Qu'est-ce que tu fais quand? If your children or your relatives. Si vos enfants, si vos parents proches ont besoin d'aide, qu'est-ce que vous faites alors? You help them. Ben, vous n'hésitez pas. Yeah. We are family. Vous aidez, parce qu'on est famille. But it's very hard. Et c'est très dur. To be family and friend with 3,000 people in a mega church. D'être en famille avec 3,000 personnes dans une église. But when you meet in small groups. Mais quand vous vous rencontrez en petits groupes. You start to care for each other. Alors là, vous commencez à vous prendre soin des uns des autres. It's much easier. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Because you know each other. Parce que vous vous connaissez. You know, if somebody has financial problem, for example, vous savez que si quelqu'un a un problème financier, you know them. Vous le connaissez. So you know if vous savez. You know if they're just lazy. Vous êtes au courant s'ils sont juste paresseux. Or if they spend their money on the wrong things. Ou s'ils dépensent leur argent autrement qu'il fallait. So you can easily go, I know you. Donc, vous le connaissez, vous savez à qui vous donnez l'argent. And I love you. Et je vous aime. But you are spending the money on the wrong thing. Mais vous mettez votre argent dans la mauvaise chose. Now we will help you with this. Donc on va t'aider à changer. But now, then we will help you to do the right thing. Mais on va te montrer aussi comment faire la bonne chose, dépenser like a family. Votre argent, comme une famille, comme dans une That's famille. That's the reason I love this with the house church so much. C'est pour ça que j'aime beaucoup les églises de maison, les groupes de maison. It's heart to heart. Parce qu'il s'agit d'une relation cœur à cœur. Yeah. And we can see also now, of course they live this kind of lifestyle. Et on peut voir aussi ceux qui vivent ce genre de style de vie. God added to the church every day. Alors Dieu rajoute à l'église. And what I see, à l'époque,
jour après jour. Since I changed my lifestyle, et depuis que moi j'ai changé le style de ma vie, God is adding constantly to the family of Christ. Dieu rajoute à la famille de Dieu. Even up in air and airplane. Même dans l'avion, tout à l'heure. I promise you. Et je vous promets. I have so many. J'ai tellement. Strange stories. Des histoires étranges à vous raconter. How I meet people. Comment je rencontre des gens. And they come to Christ. Et comment ils se convertissent. You wouldn't even imagine. Et vous pouvez même pas imaginer. But it's amazing. Mais c'est incroyable. The harvest is ready. The harvest is ready. Oui, la moisson est prête. But the workers are few. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Yeah. So what we need to do here is, donc, ce qu'il faut faire I can't, ici, they're going to use this, I can't write there. Je ne peux pas l'utiliser malheureusement. But if you, if you imagine now, mais si vous imaginez ici, a line here, un trait vertical, we have Acts donc, 2, on a Acte 2, 37, to 41 here. 37 à 41 ici, sur ce côté-là, we have a line here. Donc le trait ici au milieu. Non, mais c'est OK, c'est OK, we can, yeah, yeah, it's OK, thank you. Then we have Acts 2, 42 à 47 sur le côté droit. But it's like we have divided. Et c'est comme si on a divisé les deux. We need to take away this line. Et il faut enlever ce trait. Because this part. Parce que cette partie de l'acte goes to this part. Est reliée à cette partie. It's the life. Et c'est la vie. We need to stop. Oh, il faut s'arrêter. Living our Christian lives. De vivre notre vie chrétienne. In different events. Par des événements. It goes dans together. Les événements, parce que c'est ensemble, c'est un style de vie. We need to devote ourselves. Il faut être dévoué, se consacrer. We are disciples of Jesus Christ. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. We are not Sunday going Christians. Nous ne sommes pas des chrétiens qui se rendent au culte le dimanche matin. We are disciples of Jesus Christ. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. And when I read the Bible, et quand moi je lis la Bible, I see that they were devoted themselves. Et je vois qu'ils se sont consacrés. They took a decision. Ils ont pris une décision to follow Jesus Christ. De suivre Jésus-Christ. We need to do that. Et c'est à nous de le faire aussi. Amen. Amazing. Amen. C'est incroyable. Amen. We are here to encourage each other. On est là pour s'encourager. So don't divide it. The gospel is more than Acts. Donc l'évangile c'est plus que l'acte, donc il faut pas diviser. It's more than that. Il y a plus que l'acte de la première partie. The good news. La bonne nouvelle. Is that there's forgiveness for sins, of course. C'est qu'il y a le pardon pour le péché, bien sûr. Feeling Holy Spirit and everything. Être rempli du Saint-Esprit et tout le reste. But the good news also. Et la bonne nouvelle c'est aussi. That we become a universal family. Que nous devenons une famille universelle. The family of God. Une famille de Dieu. Amen. Sometimes people ask me, because they, when you go traveling much, they meet strangers, they don't know you. They ask you when you're traveling your flight, where are you going? Ah, to America. Donc quelquefois quand on se rend quelque part, en voiture, en avion, dans un autre pays, on rencontre des gens qui nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez où? Oh, what are you going to do there? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? I work in my father's company. Et donc moi je travaille pour l'entreprise de mon père, je dis. Oh, really? What do you do? Ah bon, qu'est-ce que vous faites? What do you do? Donc qu'est-ce que vous faites? It's the biggest company in the world. Oh, c'est la plus grande entreprise du monde. Really? What do you do? Ah bon, qu'est-ce que vous faites? C'est incroyable. Oh, my father's name is God. Il dit, oh, mon père, il s'appelle Dieu. And he's a very rich man. Et il est très très riche. Because they always ask, what do you get the money from? Parce qu'il demande, mais d'où tu tires l'argent pour aller te rendre là-bas? Everybody thinks we're stealing the money. Et tout le monde pense qu'il va recevoir de l'argent. Maybe you're in a big family. Mais nous sommes dans une grande famille. And our father is God. Et notre père, c'est Dieu. If you're in his will, he will take care of you. If you're in the will of God, si vous êtes dans la volonté de Dieu, il prendra soin de vous. Il va prendre soin de vous. If he doesn't do that, s'il ne le fait pas, probably you are doing something wrong. Donc, alors vous n'êtes pas dans sa volonté, vous faites quelque chose qui n'est pas juste. That doesn't mean that you're going to stop. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. You just need to pray fast. Il faut tout simplement prier, jeûner pour trouver la bonne voie. To find some instructions how to continue. Vous recevez l'instruction comment continuer. Is it? Vous le voyez? Yes, we make. Oui. I make wrongs all the time. Donc moi je fais des erreurs tout le temps. But I continue anyway, I don't. Mais je continue quand même parce que j'apprends. It's good. C'est bien. So we're almost done here now. This ouais, on est presque fini. Yeah, we don't have so much left. Donc il ne reste plus beaucoup de I know that. Je sais que. If you have a lesson more than 40 minutes. Vous avez une leçon qui dure plus que 40 minutes. You lose everybody. Vous perdez tout le monde.
Okay. I mean, this is important. Mais ça c'est important. We want you to get it. Parce qu'on veut que vous compreniez. And it's life changing. Et ça change votre vie. If you take it. Si vous le prenez. I promise you that. Et je vous promets. We can read from Acts 8. Donc, Acte 8, on peut lire. Acts 8, 8 and verse 1 to 8. Donc du verset 1 au verset 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Amen. So here we can see that there was persecution. Donc on se rend compte ici qu'il y a une persécution. And what happened? Et on voit la suite. They were scattered. On voit qu'ils sont dispersés. Spread out. Ils sont dispersés partout. I think they started to become too comfortable. Parce qu'ils devenaient un peu trop confortables. And when we become too comfortable, et quand on est trop confortable dans une situation, we stop doing what we're called to do. On s'arrête de faire ce qu'on est appelé à faire. Go out. De sortir. So, I don't think persecution is from God. Donc je ne crois pas que la persécution vient de Dieu. But I think God will use what he has. Je crois que Dieu va utiliser, se servir de ça. He will use what he need to do. Il va utiliser, se servir de ce qu'il faut faire. To get the message out. Pour évangéliser, pour amener le message à tout le monde. So, I want to give you a. This is a mind-blowing picture, actually. Ça c'est une image que je vous donne qui dépasse les bornes, qui est incroyable. About the identity of the church. Concernant l'identité de l'Église. It's about two creatures in a sea. Donc il s'agit de deux créatures dans une sea, dans un océan, mer. So the first creature is the squid, the calamari. D'accord. Donc c'est comme un calamar. Dans l'eau. Yeah, calamar. Oui. And you know, calamar has a head. Vous savez qu'un pieuvre qui a donc une tête. And it have different arms. Et qui a des bras. Many arms. Beaucoup. And when you cut off one arm. Et quand vous coupez un de ses bras. A new arm will grow out. Et un nouveau bras va pousser. You can cut off two arms. Vous pouvez enlever, couper deux bras. And arms will grow out again. Et encore une fois, ils vont repousser. It's pretty amazing, right? Et donc c'est vraiment amazing. Incroyable. If you cut off my arm, si vous me coupez mon bras, we need a miracle. Il faut un miracle. This just happens, you know. Mais là, c'est normal. Yeah. So this is actually the churches today. Usually, it's like this. Donc l'Église aujourd'hui, c'est comme ça. You have one head. Vous avez une tête. It could be the Pope. Et ça pourrait être soit le Pape. Let's take Catholic Church for example. Bon, on va prendre l'Église catholique comme exemple. You have the head of the Church there. Donc vous avez la tête de l'Église. It's not true, of course. C'est bien sûr. But they call him the Pope. Mais il appelle le Pape. So he's the head. Donc c'est lui qui est à la tête. And the Catholic Church, et donc l'Église catholique, they have a lot of things going on in the world. Ils ont énormément de choses qui se passent. They are helping the poor. Ils aident les pauvres. And they are preaching a false gospel. Ils prêchent aussi une évangile faux. And they are healing some sick. Et ils guérissent les malades. Quelques malades. They don't only do bad things. Ils font pas que des mauvaises choses. But everything is run from the head. Mais tout se fait de la tête. But if you take off the head of a calamari, mais si vous coupez la tête d'un calamar, d'un pieuvre, it will die. Il va mourir. So if you cut off the head of the Catholic Church, donc si vous coupez la tête de l'Église catholique aussi, things stop. Bah, tout s'arrête. Because the arms don't have any knowledge how to do it. Parce que les bras ne savent pas comment faire.
Can you see it? Vous voyez ce que je veux dire? But then you have the other creature in the ocean. Et donc il y a d'autres créatures dans l'océan. And this is how we look at. This is what the church is actually. Et c'est comme ça que l'Église. And this is a sea star. C'est comme une étoile de mer. That's an amazing creature. Et ça c'est une créature merveilleuse. The sea star also has different arms. Parce que l'étoile de mer aussi a différents bras. And if you cut off one arm. Et si vous coupez un bras de l'étoile de mer. And you will grow out. Un autre va repousser. And the arm you cut off. Et le bras que vous enlevez, que vous coupez, become a new individual. Devient un nouveau, une nouvelle étoile de mer. Yeah. Wow. That's the church. Ça c'est l'Église. Ça c'est l'image de l'Église. Do you know why? Vous savez pourquoi? Because the sea star doesn't have any centralized brain. Parce que l'étoile de mer n'a pas un cerveau centralisé. This is how it should be in the body of Christ. C'est comme ça qu'on devrait être dans le corps de Christ. The only head we have. La seule tête qu'on a. Is Jesus Christ. C'est Jésus Christ. And we as a body. Et nous en tant que corps. We are trained, equipped. Nous sommes entraînés, sommes équipés. To be the church. D'être l'Église. So in our fellowships. Donc, dans notre communauté. Everybody knows how to heal the sick. Tout le monde sait comment guérir. Everybody knows how to cast out devils. Tout le monde sait comment délivrer. How comment to baptize people. Les démons, comment baptiser les how gens. How to teach. Comment enseigner. Prophesy. Comment prophétiser. How to start up a fellowship. Comment commencer notre réunion, notre groupe de networking. Comment travailler en réseau. So, if you cut off one person. Donc, si vous coupez, vous séparez une personne de ce groupe. For example, here now in Par exemple, Acts 8, ici dans Acte 8, they were scattered. Ils étaient dispersés. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? They continued to preach the gospel. Ben, ils ont continué quand même de prêcher la bonne nouvelle. Were sea stars. Parce que c'était des étoiles de mer. They knew who the head was. Ils savaient qui était à la tête. And they were equipped and trained to do it. Et ils étaient équipés pour faire ceci, pour continuer. The only way you can stop us. Et donc la seule manière pour nous arrêter. If you take us out of Christ. Si vous nous enlevez de Christ. Let me die. Alors là on est mort. But you can cut off arm after arm after arm. Tout couper bras après bras après bras. We're going to come out. We're going to spread out even more. Et ça va disperser encore plus les étoiles de mer. And this is what we see right now happening. Et c'est ça ce qu'on voit se faire dans le monde. A lot of arms around the world. Beaucoup de bras dans le monde. That is multiplying. Qui se multiplie. So many times when we have like a traditional church, for example. Donc beaucoup de fois quand on se réunit en église. And you can read about it in Christian newspaper all the time. Oh, this church is shut down. Et on peut lire dans les journaux, bon, telle église était fermée. It's a failure. C'est un échec. But we have seen that in our network. Mais nous avons vu dans notre réseau. But some house churches have been shut down. Que quand il y avait des églises, des maisons qui étaient arrêtées, qui ne fonctionnaient plus. But it was not a failure. C'était pas un échec. Because everybody was still in Christ. Parce que tout le monde était toujours en Christ. And they continued. Et ils ont continué autrement. So one of the churches we started. Et donc quand on commence. Now they are spread out. Bon, après, par la suite, donc ils se sont multipliés, ils sont dispersés. So one of the guys started four new churches. Et donc une des personnes a commencé quatre autres églises. He started a ministry or an organization that's feeding the hungry. Il a commencé une organisation helping the poor. Qui aidait les pauvres, qui nourrissait les gens pauvres. And much more. Et d'autant plus de choses. And another guy. Et une autre personne. He's out to make disciples, starting churches. Maintenant, lui-même, il fait des disciples, il commence des églises, des maisons. It continues. Et ça continue comme ça. So don't be afraid. Et donc, n'ayez pas peur. Being divided. D'être divisé. Sometimes, you know, the children move from home. Parce que quelquefois, les enfants sortent de la maison des parents. It's a good thing. Et ça, c'est une bonne chose. They find a spouse. Parce qu'ils trouvent un époux. Get married, get children. Ils se marient, ils ont d'autres enfants. So it's a good thing. Et donc, c'est une bonne chose. Don't think about gathering. Donc, n'ayez pas cette façon de penser de rassembler, de ramener des gens à vous. Think equipping and sending. Mais plutôt, pensez en termes d'équiper. If somebody comes to you, I want to be in your church. Donc si quelqu'un vient, oh, je veux être dans ton église. Pray about it. Alors priez. Speak about it in your spiritual family. Et parlez avec les autres dans votre petite équipe. Maybe you should start a church in their home instead. Peut-être vous devez plutôt commencer une église chez eux au lieu que cette personne vienne chez vous. Then you're multiplying. Et comme ça, vous multipliez. Can you see it? Vous voyez? Multiplication.
C'est ça la multiplication. It's a totally another way to think about church. Donc c'est une autre manière de voir l'église, de faire l'église. We are so used to gathering people. Parce qu'on est tellement habitué à ramener les gens à nous, à ramener comme bien ici. You can say, come, I will show you something. Vous pouvez dire oui, viens, je vais te montrer quelque chose. Show them how it's done. Et vous lui montrez comment le faire. Equip them. Et vous les équipez. And send them out. Et après vous les envoyez faire pareil. They will bear good fruit. Donc ils vont porter des bons fruits. And you will bear good fruit. Et vous aussi. Amen. Amen. And then maybe you're thinking now. It's hard to give you the whole package, you know, because it's a lifestyle. We can't donc, do that. Je peux pas vous donner le tout parce que c'est vraiment un style de vie. Hein. Je peux pas le résumer comme ça. But there is a structure. Mais il y a une structure. And we can find part of it in Ephesians 4. Et donc une partie de cette structure, on peut trouver en Ephésiens 4. And 11, we can read it. 11, on peut le lire. Ephesians 4 and 11. Donc Ephésiens 4, 11. Merci. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement, des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Okay. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef de Christ. Yeah, we can read until verse 16. Okay. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et forme un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. 17 as well? No, just kidding. Okay. Merci. In our church network in Sweden, for example. Dans notre réseau d'église en Suède. When you start a church. Quand vous commencez une église. We never start with appointing leaders first. On commence pas en établissant des leaders d'abord. You come together. Vous vous rassemblez tout simplement. You discover each other. Et vous découvrez les uns les autres. And the gifts will come into place. Et les dons se mettent en place. It's not a competition. C'est pas une compétition. We are a body. On est comme un corps. I will not work very good without the head. Et donc je peux pas bien travailler sans tête qui est Jésus Christ. I need legs to stand on. J'ai besoin des jambes pour être debout. I need my hand. J'ai besoin de la main. So the whole body has different functions. Donc tout le corps a des fonctionnements différents. So we have the five ministering gifts, for example, one function. Donc nous avons ces cinq ministères, les dons spirituels aussi. Yeah, their function is to equip us. Et donc ces cinq ministères, leur fonction, c'est de nous équiper. To train the disciples. Oui, pour faire des disciples. To do things. Pour faire des choses. The teacher, for example. Par exemple, l'enseignant. He's very good at teaching. Sorry? He's very good at teaching. Il est très bon. Il sait enseigner. But he's set in the body of Christ. Mais he's put in the body of Christ. Mais il est dans le corps de Christ. To equip the saints. Afin d'équiper les autres. So they also can start teaching others. Donc il peut toujours commencer à enseigner les autres. Many times we hear about the AMA list. Beaucoup de fois, on a dit. When times we hear about the AMA list, we hear that he's the one who's going to pray for sick people and so on. Évangéliste. Yeah. Okay. Yeah. D'accord. oui, beaucoup de fois, on entend l'évangéliste qui équipe les autres, qui sait comment prier pour les autres, comment ramener les âmes. So you have a big meeting, everybody. Donc vous avez une grande rencontre, et donc tout le monde se rapproche de lui. And he's going to preach the gospel. Et c'est lui qui va prêcher l'évangile, et c'est lui qui priera pour tout le monde. He's the man, et c'est lui, c'est l'homme. Yeah. Ou la femme. Oui. Or the woman. Oui. Yeah. Ou la femme. On n'est pas sexiste. But that's a deeper topic. Mais ça c'est pas le sujet de ce soir. Actually, women also are allowed to do that, but we don't. Parce que les femmes aussi ont le droit de le faire, yes. Bien sûr. So they're evangelists. Donc ces évangélistes. Yeah, evangelists, yeah. Evangelist.
there, certainly church, anybody. Ils sont donc dans une église, établie dans une église. To train and equip the saints. Pour donc équiper, pour les entraîner, pour leur apprendre des choses formées. To evangelize. To evangelize. You're getting tired now. Non, c'est pas ça, c'est l'accent. Pour évangéliser. Ils pensent que je deviens fatiguée, mais non. Bon, c'est different gifts. C'est les dons différents. Ministering gifts. Et donc les ministères. Are certainly church. Ils sont établis dans l'église. To travel around. Pour travailler ensemble. The different churches. Pour voyager dans les différentes églises. I like the word fellowships better. Et donc moi je préfère le mot communauté de travailler ensemble. To equip the saints. Afin de former les saints. Because usually you don't have all the five gifts in one small church. Parce qu'en général, dans une toute petite église, on n'a pas les cinq ministères. So what we do is. Donc ce qu'on fait. We go between the churches. Donc on va dans différentes églises. Equip each other. Et on s'équipe les uns les autres. It's a network. C'est comme ça qu'on crée ce réseau. We also have bigger gatherings every year. Nous avons aussi des grands rassemblements. National gatherings. Chaque jour, un rassemblement national. Everybody comes together. Où tout le monde se retrouve. To rent a place. Et là, on loue une salle, une grande have salle. Have a big meeting. Avoir une grande réunion. But it's totally different, the DNA. Mais l'ADN est complètement différent. It's not only one person speaks all the time. C'est pas juste une personne qui parle tout le temps. We divide. Somebody can speak. Quelqu'un peut. Prendre la parole, bien sûr. And then we divide into small groups. Et après, on se divise en petits groupes. And speak about what that person spoke about. Et on parle de ce que la personne a enseigné. And then we come together again. Et après, on se rassemble encore une fois. And evaluate what et après, on va évaluer ensemble les différents groupes, ce qu'ils ont fait. Because we know parce que nous savons that we are a body. Que nous sommes un corps, on travaille ensemble. We need each other. On a besoin des uns des autres. If you have 100 brains to think, si vous avez une centaine de cerveaux qui réfléchissent, you will find much more answers. Alors vous allez trouver beaucoup plus de réponses. And then you can go to the Bible. Et donc on peut chercher dans la Bible, trouver est-ce que c'est biblique ça. It's amazing. Et c'est incroyable. Yeah. We also have a regional. On a aussi des régionales, gatherings, des réunions régionales chaque mois. The leaders in our house churches. Donc il s'agit des leaders des groupes de maisons qui we se rassemblent. Together. On se rassemble and we pray. Et on prie ensemble. We tell about hard things. Donc on partage ce qui se passe. We eat together, on mange ensemble. Support each other and on so se soutient. So we have, there is a structure. Et donc il y a une structure in the small groups. Dans ces petits groupes. But it's very personal. Mais c'est très personnel. Yes. So this is a little bit how we do church. Donc c'est comme ça à peu près qu'on fait l'église, qu'on vit l'église. And it's a very biblical way. Et c'est vraiment biblique. And it's very hard to stop it. Et c'est très difficile d'arrêter ça. Because you cannot cut if you cut off one leg. Parce que si vous coupez un membre, vous enlevez un membre. It will yet continue. It will yet continue somewhere else. Oui, cet membre va continuer. Ce membre va continuer ailleurs. And this is exploding right now. Et donc c'est comme une explosion qui se fait. We see this like in America, in donc, Canada. Donc on voit ça comme en Amérique, au Canada, in Europe, ici en Europe. Traditional pastors are opening up now. They say, wow. Les pasteurs traditionnels s'ouvrent, ils voient quelque chose, ils sont étonnés. I think it's in June we're going to Bulgaria. Et donc en mois de juin, on va se rendre en Bulgarie. We're going to train 16 pastors. Et on va former 16 pasteurs. For about a week. Pour une semaine. And then we have a big seminar with après, them. On aura un grand séminaire. But we know, mais nous savons when we leave, que nous, quand nous partons, the detox has started. Le détox a commencé. So it's good. Oui, c'est bon. Amen. I think we have a break now. Et donc, vous pouvez avoir une petite pause maintenant. Merci, Lucas.